Espagne t'a affronté Allemagne. C'est une affiche classique, une affiche intéressante, une affiche qui n'a tête nous depuis là nous connaissons l'existence groupe. Malheureusement, Allemagne vient affronter après une défaite inaugurale. Et nous sommes capables de dire que ça a changé un paquet de détails dans la rencontre football là. Mais ça n'a pas empêché boule la rouler et ça n'a pas empêché tout et quelques enseignements. Vous cliquez jouer sans ballon, nous connaissons déjà, c'est Grégory Bleu-Ciel. Ou c'est un plus gros support émission ça a gagné. Mais tout, nous avons remercié l'autre support que nous avons tout qui c'est Pariage Lakay avec cette wave. Pas oublier, pas quitter l'émission sans pas commenter, pas quitter le son pas likely. Et bien sûr, pas quitter le sans ou pas cherly pour l'autre monde qui est dans l'entourage ou connaît l'existence. Li. On allez, non. Bon, mettons un petit vie pour vous. Nous avons une sélection espagnole qui était dominatrice contre une sélection costaricaine. Elle était importante pour nous well contre l'Allemagne, contre une équipe qui est plus compacte, une équipe qui a plus de talent, plus de qualité individuelle. Même si, il faut que nous soulignions, il faut que nous disions, c'était contre une Allemagne qui a besoin de points. Qu'est-ce qui fait nous obliger à souligner que l'Allemagne a besoin de points? Et ça qui fait faut que nous mettions en contexte, c'est parce que besoin de points souvent paralysé. Plus ou nécessite un bagage, plus ou vulnérable, plus ou n'a doute, ou n'a blocage. Ça vient empêcher libre vraiment pour créer. Et c'est un bagage qui fait, par exemple, si son artiste souillé, il est important pour débarrasser de un paquet de besoins pour capable créer. Parce que si vous quittez le monde, ça boue ou besoin de machine, ou besoin de belle rade, ou besoin de ceci, cela, ou saisir, ou pas jamais explorer toute plénitude de talent. Plus ou capable de débarrasser de besoins superficiels, c'est plus ce qui est important pour vous. Il y a un Espagne qui a rencontré en Allemagne, qui a battu le premier match. Il a privé puis confiant. Il n'a pas gagné gros pression, besoin pour un sous-dol. Il a moins précautionneux et qui a gagné. Il a plus libre dans le mouvement. Il a plus facile pour le créer sans le pagain pour le poser des questions. Mais bon, l'Allemagne reste l'Allemagne. Depuis le monde existé, l'Allemagne était toujours un gros joueur de football, bon entraîneur, bon système, etc. D'ailleurs, c'est une sélection avec Brésil qui est plus constant dans le monde de football. Soit parler de deux sélections plus constantes depuis le football existé, ou supposé dire Brésil-Allemagne. Premier point intéressant que moi été souligné dans le match, c'est que l'Espagne était fidèle à lui-même. Et sauf en titularisation qui baille en nous dit à penser. Nous sommes capables de spéculer, les cas pas ça. Ça qui arrivait que je vois qui remplacer et je vois qui pas là, qui pas commencé match là, soit le frapper l'entraînement, soit effectivement j'en ai pensé là sont question tactique. Carvajal qui remplaçait en Montaku Azpilicueta. Nous connaissons Azpilicueta, c'est un joueur qui est très bon défensivement. Par contre, peut-être que Luis Enrique connaît le jouer avec une équipe qui est beaucoup plus directe sous les lions, qui est beaucoup plus dangereux tout sous les lions et Luis Enrique a besoin plus équilibre dans le retour. Ok, dans le pli défensif, il jouait avec un monde comme Carvajal qui est beaucoup plus rapide. Et Carvajal remet les bien puisque M. était très solide défensivement. C'est surtout offensivement, il n'a pas trop existé. Et le résultat est là. Tal peut-être n'a rentré sous lui, mais on nous faut tirer sous Allemagne par exemple. Grand pile monde qui a gagné une formation qui est assez confus. En réalité, Allemagne n'a pas joué en 4-2-3-1. Il a joué en 4-3-3 avec un point haut. Elle dit qu'il y a 2-4-3-3. Il y a une pointe basse. C'est ça l'Espagne jouait. C'est ça Barcelone jouait. C'est ça, et en pile l'autre équipe, tant que l'équipe Guardiola jouait à pointe basse là. L'Allemagne jouait avec un pointe haut qui est capable de voir l'impression que la joue en 4-2-3-1. Mais il y a un détail qui est important, bien que grand pile détail qui pour vérifier si son 4-2-3-1, si son 4-3-3, c'est positionnement moun qui devant. Il n'y pas joué avec un attaquant fixe, il joue avec Müller qui sont faux attaquants. Et si Flick t'a choisi de jouer comme ça, c'est parce que il n'y a pas perdu le rapport de force là dans la vie. C'est parce qu'il était surtout besoin au monde qui est capable constamment mettre pression sous et devant la défense espagnole parce que c'est la force Lichita pour commencer à sortir le ballon. Effectivement, on a besoin de Gundogan qui était devant. Bien que Gundogan, c'est quand même un joueur qui est assez intéressant techniquement, mais ce n'est pas pour technique qu'il a été mis là. C'est surtout parce qu'il est un très bon récupérateur de ballon. C'est surtout parce qu'il a un très bon sens de placement. C'est surtout pour empêcher Busquets à l'aise qu'il était là. Ce n'est pas vraiment pour le créer, je veux être là. Et l'important pour nous souligner le fait que l'Espagne répond à gros défis physiques ça que l'Allemagne impose là. Par rapport à pressing, yo, déplacement, yo, impact physique que le météo et positionnement tactiquement par rapport à sortie espagnole, mais tout par rapport à transition. Yo. Mais un stat qui doit faire nous mettre respect sous nom, Luis Enrique. 35.8. Allemagne enregistré 35.8% possession de balles contre l'Espagne. C'est plus faible moyenne possession Allemagne en Coupe du Monde.
depuis le opta choisi et depuis le opta commencé analyser Mathieu. Dernière fois Espagne était gagné pour le perdu possession comme ça, c'était en 1966, le sa opta pour cola pour le faire genre de analyse ça yo, et c'était contre Maroc. Il était enregistré 39% possession de ballon. Nous sommes de dire nous dans la première émission que nous avons fait sur Espagne là que il y a deux types de équipes. Premier type équipe espagnole, c'est le même qui est plus redoutable. Et malheureusement, il n'a pas ouvert ce qu'on a contre l'Allemagne. Il maîtrise boule la pibie, il est plus imprévisible. C'est l'équipe faux neuf là qui mélange possession à transition. Elle est symbolisée par un joueur en pile monde par parce que pas importance li. Marco Asensio. Mais juste avant nous rentrer dans l'équipe qui ouvre ce qu'on a, mais tout quelques erreurs de Luis Enrique, on nous faut tirer l'équipe et l'Allemagne là rapidement. Je presque dit que je suis content égalisation. Tellement t'as aimé ouais en deuxième tour avec plus belle équipe. C'est carrément dommage pour une si belle équipe et allemande. T'as non plus mauvaise position que ça toujours. Même si nous est Allemagne timide, alors m'a clair sur ça. Même si nous est Allemagne timide, Allemagne était une candidat qui plus crédible qui pour lever coupe ça. Même si nous est timide, même si nous est commencé coupe du monde là très mal. Li besoin qualifier seulement. Allemagne, c'est une plus belle effectif qui gagne la Coupe du Monde. Là. Et ça m'a envie de dire encore, c'est que Livin Prouvel, par rapport à match nul, ça a que le raché contre plus belle effectif tout noir. Plus belle collectif tout noir jusqu'à présent. M'a dit plus belle équipe, non? Parce que gagne équipe qui gagne plus de monde sous papier, puis gros monde sous papier, et qui fait peur, etc. Mais si n'a pas parlé de collectif, jusqu'à présent, pas aucune équipe, dans toute grosse équipe, nous qui bat l'Espagne. Malheureusement pour l'Allemagne, ça n'est touché avant le match Japon. Et nous avons l'équipe qui a manqué ça. Ce n'est pas seulement un joueur qui est capable de bon vite sous les lieux, mais son joueur tout qui a joué dans l'axe. Il y a une erreur peut-être que Flick fait encore, c'est priver de un joueur qui est énorme dans l'axe. Priver de un joueur qui est énorme dans l'axe. Moussiala. Mettez Moussiala sur l'aile, pour moi, c'est un gaspillage. Et quitter Gundogan devant, parce que Moussiala a fait travail Gundogan ni défensivement et encore plus offensivement. Il a plus affinité avec un monde tant que Thomas Müller, parce qu'il a joué même côté. Nous d'accord avec ça. Donc, je pense que c'est une très très grosse erreur de la part de Fleck. Moussiala a dans le cœur joué là, surtout contre les sélections espagnoles. Moussiala a dépanné son l'aile, c'est vrai. Mais c'est avant tout un créateur, un monde qui fait pour libre. Même si son joueur qui a une marge de progression, par exemple, il faut lever tête et puis souvent. Et mais replacement dans ce match là lui montrait clair que c'est un très gros péché pour entrer dans le côté de mettre là. Et franchement, m'ta préféré commencer avec un monde comme Julian Brandt sous l'aile là, mais Moussiala pas grand rien que t'a fait, m'pa gagne là que jouette là. Surtout là nous connaît dans que jouette espagnol là, gon technique, gon tourbillon qui exagéré la donne. Par contre, l'autre petit parenthèse que m'gagne c'est que yo monde tant que Rudiger, monsieur prend un très gros risque le l'aller dans Real Madrid. Mais bon, on a tourné sur ce sujet ça encore. On nous continue suivre, peut-être on a tourné sur ça, on a souligné le plus. Pour l'instant, destin Allemagne namel, j'aime dire nous, il suffit que le bat dernier match pour l'espérer et plus toujours, mais pas courir vendre pour Costa Rica comme ça. Pas courir vendre pour Costa Rica comme ça. Pas courir vendre pour Japon comme ça, pas courir vendre pour Costa Rica comme ça. Kounya pour nous mettre quelques précisions sur Espagne encore. Nous trouvons Espagne ça a un réflexe défensif qui manque. Et m'a vu sermenter que Ramos tape qu'à jouer dans l'équipe ça. M'a vu sermenter que Ramos l'étape poté en plus pour Luis Enrique dans l'équipe ça. C'est ça. Parce que tenez bien, Rodrigo joue un très bon match, c'est vrai, mais gagner un même si il est facile pour aller en milieu défensif pour mettre le joueur défenseur. C'est facile, parce que c'est presque le même travail là. Mais gagner une élasticité, une agilité défensive que le manquer. Parce que, pas oublier, tout poste mandé habitude la donne. D'ailleurs, si nous regardons l'égalisation allemande, Rodrigo n'est pas innocent la donne. Parce que c'est sous lui qui l'a sauvé. Gagner attaquant qui a battu l'équipe, ça a un pile problème. Chaque fois, il suspend, maîtriser le match là, je le suspend, maîtriser le match là. Surtout avec Tal. Je vais venir sur ça. On nous continue. Changement pays Enrique, c'est Bay Allemagne, deuxième équipe. Là. Et deuxième équipe, il est symbolisé par Omoun, Morata. Première équipe là, qui a gagné faux neuf, là, là, ce n'est pas comme s'il si va répondre non. Monsieur n'a pas de réussite, malheureusement. Mais oui, Morata ouvre ce score là et c'est un très bon changement. Morata qui rentre, équipe là, vin, et on tire un pied direct, pas de problème. Mais Enrique, pour le faire, on tire ouais, parce que il est trop avare, parce que je le trop gros. Parce que peut-être tout l'oublier si c'est Allemagne qui a fait ça. Allemagne est répondant sous bandou. Quand elle prend le si elle met la terre, parce que les filles l'avaient même,
si elle met la terre carrément, c'est là qu'il retire Gavi avec Asensio dans le match. Il a toujours retiré, oui, mais c'est qui est qui monté. Il voulait prendre l'Allemagne en compte parce que l'Allemagne a besoin d'égaliser. L'Allemagne a commencé à quitter l'espace, effectivement. Mais il a perdu une option qui est extrêmement importante dans le jouet de l'IA. Il a décidé de jouer avec un joueur qui est explosif parce que l'Allemagne a monté. Et c'est là tout, il a perdu maîtrise dans la transition avec William. Parce que si vous regardez, après chaque ballon Espagne récupéré, dès que William Gemboulan, le fait que son joueur qui plus qu'à dévorer l'espace que lui, son joueur qui est important, la petite Espagne, puis lui, mais dans la transition, ça, il s'est perdu 2 à 3 boules. Il a retiré option maîtrise que Luis Enrique était gagnant, qui vient faire. Parce que, attendez, tout match, vous regardez, chaque ballon est dégagé, chaque tac qui fait qui réussit, chaque duel tête qui gagne. Chaque boule où un joueur prend, ils font faute sous lui. C'est ça, oui, de la victoire. Pas garder football, mais pas en fait là. Ouf, je garde un bel dribble, mais passe. Mais ceci, non. Football, là, pour maîtriser tout ça qu'a fait, yo, pour calmer ardeur, équipe qui a joué à vol, il faut qu'il y ait des gens qui sont très bons et dosent au but. Ou pas, ouais, matin, qui s'est passé? Yon équipe de la Belgique qui joue avec Batshuayi, malheureusement, Batshuayi n'a jamais arrivé. Contre ni défenseur qui kembe l'an pour aider le groupe la monter. Chaque fois, il bat le boule l'an. Deux buts, il perd du boule l'an. C'est une raison qui fait Belgique perdre le match en tout. C'est ça qui arrive avec William. Chaque fois, William joue le boule l'an sous l'aile l'an, William pas qu'à conserver le boule l'an. Jean Omoun t'a qu'à Asensio t'a qu'à conserver. Jean Omoun t'a qu'à Gavi t'a qu'à conserver. Pour t'a faire faute sous lui, pour l'Espagne retourner faire six chemins en avant. Parce que chaque faute qui fait tout ce qui passe, c'est un danger qui saute sous. Mais si Omoun t'a qu'à Fati, peut-être t'a qu'à utile lui. Parce que Fatih plus habitué à jouer possession ça, il est plus habitué avec comment pour le protéger équipe li. Chaque fois jouer une boule dans quel que soit compartiment terrain, on pense que c'était intéressant s'il était joué avec Fatih. Mais bon, malheureusement il va jouer avec Coquin encore. Nous quand ça me dit nous là, attendez bien. C'est sauf si Enrique est champion pour y suspendre ou reprocher non sélection de Thiago Alcantara. Sauf si le champion. Chaque fois genre de scénario ça répéter, tout le monde doit songer Thiago Alcantara. Parce que Alcantara a remplacé Gavi, il a mieux que Coquet de loin. Donc, clair sur ça. Il a vu un bon impact physique qu'on a besoin. Il a conservé le boule. Il a une bonne transition qu'on a besoin. Une transition rapide qu'on a besoin. Par contre, gros bravo pour Luis Enrique qui, encore une fois, a corrigé Kayas et Barcelone. Nous sommes sur Ronald que maintenant, monsieur prend même joueur ça. Il fait une superbe Coupe d'Europe avec vous. Même joueur ça que Xavi a gagné maintenant, Barcelone n'a pas qu'à utiliser bien. Barcelone clopi clopin, monsieur prend, mais qui ça la pouvait mettre avec eux? Les gens disent Alba. On joue cap descend et puis équipe là tout foiré. Sergio Busquets. Enrique montre l'autre fois encore. Ce n'est pas en question de joueur, ce n'est pas en question d'individualité, c'est en question de système. C'est en question de placement, c'est en question de replacement, c'est en question de déplacement. Depuis, on maîtrise trois détails, ça, tout bien en forme pour vous. En tout cas, en plus, on tape en Espagne contre une belle équipe, parce que nous jouons. Maturité, monsieur, sans pareil. Et ce n'est pas sans raison qui fait monsieur ouvrir ce collant dans le moment où il est. Dans le moment où il est, il y a trois Allemands qui prennent un carton jaune. Et c'est très fragile pour eux. Il y a Kerrer qui soulève pour un carton jaune. Et puis il y a deux monsieur qui devant en défense pour un carton jaune. Ni Joshua Kimmich, ni Omuntaku Goretzka. Tous les deux prennent un carton jaune. Donc, mi-temps terrain espagnol, la façon de maîtriser le match, c'est à féliciter. C'est super. Nous t'a parlé de un paquet de bonnes notes d'état encore, notamment de Dani Olmo pour deuxième compétition là pour jouer avec Espagne. Monsieur a épaté nous sérieusement. Bon d'ailleurs je dis là il fait nous comprendre que ni Real ni Barcelone yo des monsieur. Par contre qui Jean monsieur fait pendant un gros équipe toujours. Depuis après Euro 1 le fin garde monsieur me dit bon tout le monde va aller s'acheter jouer ça et puis me saisit moi monsieur Fred comme pas gain nol qui cité. Parce que Olmo méritait jouer dans plus gros club parce que sont très très bons joueurs. Eh bien, nous avons fait un petit bout de bouche sur pour vous. Nous avons fait trois autres temps ensemble. Je souhaite être satisfait. Et puis, nous attendons demain parce que demain, il y a causé toujours. Le Brésil dans la bataille. Et Coupe du Monde l'a fait commencer. Oui, ça nous passe. Merci parce que nous sommes toujours là et pas oublier. Nous avons commenté, nous avons partagé. Parce que, faut me dire nous ça, moi, ma vie, moi, un plaque YouTube là, qui 100 000 abonnés. Ou après, il me fait le rêve, vrai? Ou après, il me fait le rêve. Très bien. Au chapeau. Bye bye.